Bonjour Cosmic Nova, ça va? Oui, bonjour à toi aussi, Candilicious. Bah dis donc, vous êtes beaucoup. T'as une fille, un lapin, toi, waouh, moi j'ai qu'une petite sœur. Attends, on parle beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Posy Baby. Mais où est-elle passée? Regarde, là-bas! Posy Baby coincée dans une boîte! Ça va, Posy Baby? Tout va bien? T'aider à te sortir. Alors, vous êtes prêts? Bonjour à tous, Alma, Carmen. Oui, ma poupette, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir une troisième amie. Elle s'appelle Bozy Baby. C'est pour ça que je suis avec des couettes, un jean et un rouge. Et voilà. Parce que c'était un peu les vêtements que j'avais au moyen du bord. Pas exactement tous les mêmes vêtements. Voilà. Alors, on va pousser un peu les filles pour pouvoir ouvrir. Allez. Voilà, ils sont rentrés dans la voiture. Oh, cosmique. Voilà, ils sont là. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà, on va enlever pour vous montrer la couleur. Voilà la couleur. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Alors, on va enlever le plastique. Ça sera beaucoup plus pratique. Enfin, le papier, pardon. Hop, maintenant, j'ai juste à couper le papier. Voilà. Et voilà. Oula. Voilà. Il y a la porte, on va la cacher. Donc déjà, il y a ces accessoires. Je ne montre pas la poupée pour le moment. Et les accessoires. Je cache la poupée pour le moment, comme ça on ne la voit pas. Alors, on va prendre les vêtements. Waouh, il y a un grand sac. Il y a son catalogue que je vais plier. Voilà, il y a son petit catalogue. Avec des écritures mais anglaises. Bien sûr, c'est dommage. Mais on pourra quand même, essayer de traduire. Avec des traducteurs, quelqu'un qui connaît l'anglais. On va sortir la grosse boîte. Wow, ça fait du. C'est une rouge cette fois-ci, très jolie. Ah oui, rouge et bleu, c'est ton. Rouge et bleu. Alors déjà, je vous montre un peu son décor. Voilà. Mais quand même, ça gâche un peu tout. Mais on va ouvrir maintenant. Ah oui, il y a un miroir bien sûr. Et il y a un plastique. Mais on ne va pas l'enlever parce que... Pourquoi on n'enlève pas le plastique? Parce que tu n'as pas envie. Ouais. Alors on montre le petit décor. Alors, le petit décor. On va le cacher. Oula. Donc, il y a... Voilà. Il y a des pinces, des ciseaux. C'est une bricoleuse. Oui, voilà. Bricoleuse, années 90. Alors, là, il y a un petit sac. Voilà. Surprise. Méchant plastique. Alors... Je vais sortir le socle. Voilà. Je vais te le donner. Voilà. Alors, dans la dernière vidéo, on ne trouvait pas le petit crochet. Mais en fin de compte, il est sous le petit socle. Voilà. Pour ceux qui l'ouvrent et se demandent où il est passé, eh bien, il est en dessous. Petit problème technique. Résolu. Voilà. Très mal. Ouh, la brosse a sauté. Regardez, il y a une petite brosse vraiment très belle. Voilà. Alors, et maintenant, alors montre-moi la brosse. Alors, la petite brosse jaune. Tu montes d'abord la poupée ou les accessoires? OMG. Bah d'abord, on ouvre la poupée. D'accord. Hop. Parce que je sais derrière l'écran, vous êtes... Oh, la poupée,
Bah moi aussi. Même si j'ai hâte de la voir. Un écran. Mais j'ai hâte de la voir aussi. Ouais. Bah moi je la vois déjà, mais j'ai hâte de la sortir. Alors. Elle ressemble à moi quand même un peu. Hop. Cette petite natte. Elle est très jolie. Oui, très belle. Je pense que c'est celle que je préfère sur les trois. Ah bon? Moi, je peux pas choisir. Je les aime toutes. Oula, ça fait des bruits bizarres. Ça faisait de la musique. Alors, il y a tout qui est très sorti. Il reste les cheveux. On coupe. Hop, on coupe. Et on coupe. Après, les petits bouts comme ça, ça s'enlève très facilement. Alors, je vais vous la présenter maintenant. Alors, oh là là, magnifique. Waouh. Très jolie. Elle fait vraiment années 90, je sais pas pourquoi. Elle a un petit ensemble, on dirait un petit maillot de bain. Voilà, c'est pour protéger. Très jolie natte. On va pas la mettre toute nue, hein. Très jolie natte. Voilà, j'adore. Comme moi, regardez. En fait, elle ressemble à moi. Avec sa petite houppette. En fait, c'est mini-moi. Mini-moi. Alors, on la met sur le socle, le temps de sortir ses vêtements? Oui. Alors, hop, je vais agrandir le socle. Hein. Oula. Hop, voilà. Comme ça, après, on va pouvoir l'habiller. Voilà. Voilà. Alors. Alors, maintenant, on ouvre les vêtements pour la fin. Alors, on ouvre les chaussures. Voilà. Ils font tous du 6,5. Parce que ce sont les mêmes pieds, hein. Ce sont des bottines. Hop. Regardez ces bottines. Alors, jolie petite bottine jaune. Waouh. On dirait vraiment des... Très joli. Ça me fait penser aux bottines de travailleurs. Travailleuses. Petite bottine jaune. Ouais. Alors. C'est très belle. Jaune, bleu, toutes ces couleurs. On va ouvrir le petit sac. Le petit sac qui renferme un sac. Regardez. Un cadeau dans un cadeau. Voilà. Très joli petit sac. Un cadeau dans un cadeau. Vichy. Voilà, Vichy. Avec un petit cadenas de sécurité. Voilà, on sait jamais. C'est mieux. Très joli le petit sac. Il est vraiment trop mignon. Après. Alors, on va le mettre ici. Voilà, il peut s'ouvrir. Alors maintenant, on voit la petite boîte avec les accessoires. En secouant, on croit qu'il n'y a rien, mais en vrai, il y a des surprises. Alors, je crois qu'il y a une seule chose. Ah non, c'est doré tout ça, hein. Alors, un collier doré, des boucles d'oreilles dorées. Alors, le collier. Doré. Oui. Des boucles d'oreilles. Des petites boucles d'oreilles. Des clés à molette, enfin d'or doré. Et par contre, la petite touche de rouge hein, qui va commencer en les bandeau. Belles lunettes, comme les autres des poupées. Des lunettes de star. Hein. Ce sont des lunettes de star. C'est une star. La star de la de bricoleuse. Alors, les vêtements. On ouvre les vêtements. On va ouvrir d'abord le plus petit. Alors déjà, il y a sa petite veste. Hop. Elle a l'air magnifique. Voilà, il y a sa petite veste en jean qui ressemble à la mienne. Alors, petite veste en jean. Très jolie. Waouh, je suis choquée. C'est une petite cotte? Elle est vraiment belle. Voilà, la petite cotte. Voilà, voilà, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est pas déchiré, c'est fait exprès, parce qu'il y a un haut en dessous. C'est vraiment magnifique. Ah, il y a une petite chaîne accrochée après. C'est une clé, regardez, une clé. La clé du bonheur. Et elle se range dans sa poche arrière. C'est vrai. Alors, c'est la jolie petite cote. Mais c'est peut-être la clé du cadenas. Avec sa petite chaîne. C'est peut-être la clé du cadenas.
Ah, peut-être. Je te laisse habiller. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, il faut enlever le... Oula. Il faut enlever le bas. C'est pas le haut, par contre. Juste le bas. Pour enfiler la côte. La côte de travail. Alors, c'est bien avec ces poupées, c'est qu'ils sont... Après le petit petit ensemble en bas, et ben ils ont... Une petite culotte. Voilà. Mais dessinée. Je vais l'enlever. Attention. Très jolie la petite veste. Très très jolie. C'est bien fait, hein? Oui, très bien fait. Moi aussi j'adore la petite veste, elle est très mignonne. Mmh. En fait j'adore tout dans cette poupée. Voilà. Bon, je leur montre comment elle va être habillée. Alors, la petite veste. La côte, le petit sac, les petites boucles d'oreilles. Vraiment, j'adore la petite clé, c'est vraiment trop mignon. Mmh. Je vais la ranger, mais elle est vraiment trop mignonne. Hop. Je remettrai sa clé plus tard dans sa poche. Elle est accrochée, alors il n'y a pas de risque que vous la rapprochez. Ces petites copines. Attention. Voilà. Je te laisse l'habiller. Moi, je rapproche ces petites copines avec la petite voiture. Et ces petites sœurs. Je ne savais pas que les poupées LOL petites avaient le droit de conduire. De conduire une petite voiture. Voilà. Mais c'était pour plus pratique pour promener le chien en même temps. La petite voiture. Brum, brum. Ils sont partis. Voilà. Hop. Alors. On va la mettre à côté pour bien la voir. Voilà, petite voiture. Zoup. Voilà. Hop. Tu arrives ? Elle est compliquée un peu. Tu veux que j'essaye ? Faut bien tirer le bas pour mettre le haut. Parce que c'est les pieds. J'en ai réussi un, alors je vois pas pourquoi je pourrais pas réussir le deuxième. Jolie petite boîte. Vraiment, elle, c'est un peu le jean, sa matière. Voilà, le modèle de la chaussure. Toujours le modèle de la chaussure sur la petite comme boîte. Comme les vraies boîtes. Ah, j'ai réussi. Après, tu peux ranger facilement les vêtements. T'as plein de boîtes. Oui, voilà, plein de boîtes. Les lunettes de star. Tes cintres. Tout ce qu'il te faut pour faire un vrai magasin. Bah, si. Hop, hop, voilà. On va. Et les jolies petites boucles d'oreilles. Toutes dorées. Elle va être magnifique. Alors, tu arrives ? Oui. Hop. Alors, on rapproche les deux autres petites. Voilà. Vous vous rappelez d'elles ? Tu peux me redonner leur nom ? Alors, elles... C'est la sœur de Bonbon et de Bunny. Mmh. Elle s'appelle Candylicious. Et elle, c'est la sœur de Cosmic Queen qui s'appelle Cosmic Nova. Voilà. Hop. Moi, j'ai retenu leur nom. C'est pas compliqué. Si vous en avez deux ou trois, c'est facile. Mais par contre, si vous en avez 10, oula, ça risque d'être... Ça deviendra de plus en plus difficile. Voilà. Plus vous en aurez, plus ça sera difficile à retenir les noms. Sauf si vraiment vous êtes des spécialistes des poupées LOL. Ah, j'ai remonté son col. On va le descendre. Le petit décor. Juste derrière. Les poupées. Hop. Voilà. Alors, je vais baisser son col. Voilà. Je vais mettre sa chaîne. Dans son, sa petite poche. Alors, le petit blouson, je te donne. Merci, ça va être compliqué de mettre tout ça. Hop. Voilà, il ne reste plus que les chaussures, le collier. Ah, la veste s'enfile très facilement. Pas besoin d'effort. Regarde, j'ai mis les petites lunettes dessus.
Voilà. Est-ce que tout rentre? Sinon, on laisse comme ça, on la met sans le petit bouton, on tout laissera rentre, après. Tout rentre. Je mets juste d'abord les mains. Normalement, c'est prévu pour. Oui. J'ai hâte qu'on puisse m'habiller. Dépêche-toi. C'est la série 2. Voilà. On a loupé la série 1. Oh, moi, je suis en train d'être entre série 1, série 2. Voilà. Enfin, pardon, série 1. Oh, série 2, série 3. Alors, oui, parfait, tout rentre. Elle va être vraiment magnifique. Hop. Cette petite chaussure, cette deuxième chaussure. Les boucles d'oreilles, le collier. Les boucles d'oreilles. Elle va briller, hein. On va déplacer pour les mettre les unes à côté des autres. Voilà, hop là. Elles sont magnifiques. Oui, vraiment. Le petit sac pour finir et on la met sur le socle. Il y a ces petites lunettes. Les petites lunettes de Star. Hop. J'adore sa petite houppette, c'est trop mignon. Waouh, elle a vraiment un style complètement différent que les autres. C'est vraiment, vraiment magnifique. Oula, je remettrai le sac à la fin. Enlève un peu son bras, comme ça on peut. Voilà, comme ça. Alors, je vous la montre. Donc, il y a sa petite maison. Voilà, alors les petites lunettes, les boucles d'oreilles, le collier, la veste, la jolie cotte, les belles chaussures jaunes et le joli petit sac. Elle est vraiment magnifique. Magnifique. Elle, c'est vraiment fanfare, vraiment bonbon. Voilà. Elle, ça se voit que c'est des bonbons. Elle, ça se voit vraiment que c'est fête et tout, paillettes. Et elle, quand même, ça se voit que c'est un peu années 90. Alors, tu as aimé cette vidéo? Vraiment, vraiment, beaucoup! Parce que déjà, elle est magnifique. Déjà, ça me fait une troisième. Vraiment, je vais continuer cette collection parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Oui. Voilà. Bah, si ça, vous je avez... suis sûre que tu vas continuer cette collection. Voilà, c'est... ça, c'est sûr. Alors... Si vous avez aimé, laissez plein de pouces bleus, partagez, abonnez-vous. Mouah ! Au revoir les amis ! Au revoir les amis ! Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir ! Partons toutes en vacances ! Oui, on va partir en vacances à Los Angeles !